Voici les ambitions d'Air Algérie en 2023, à l'occasion d'une journée d'information que la compagnie aérienne algérienne a organisée. Dans le cadre de la lutte contre les fake news et autres rumeurs circulant autour d'Air Algérie, il a été annoncé les prévisions des dirigeants en matière de nombre de voyageurs à transporter durant cette année 2023. Inutile de préciser que les voyageurs à transporter seront beaucoup plus nombreux qu'en 2022. En fait, l'ambition des dirigeants d'Air Algérie est de revenir aux chiffres de l'année 2019, soit l'année ayant précédé la terrible pandémie de coronavirus. Si les appareils d'Air Algérie ont transporté 4,5 millions de passagers en 2022, il devrait assurer des voyages à près de 7 millions de passagers du 1er janvier au 31 décembre 2023, exactement comme les 6,7 millions de passagers transportés en 2019. Dans le même sillage, les responsables d'Air Algérie ont annoncé la prochaine ouverture d'une nouvelle ligne aérienne qui confirme la volonté de la compagnie algérienne de se déployer sur le continent africain. En effet, Air Algérie annonce sa décision d'ouvrir une ligne aérienne entre l'Algérie et l'Afrique du Sud. Il n'est cependant pas précisé si la destination sera Johannesburg ou la capitale Pretoria.